10 na maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Bah aujourd'hui, résultat très très bon, on fait 1-2-3, donc les trois françaises en tête. Donc on est assez contente, on a pris pas mal d'avance. Je pense qu'on a dû prendre 2 minutes 30 d'avance sur les suédoises, ce qui doit faire environ 4 minutes pour le troisième jour. Donc voilà, on n'a pas encore assez d'avance pour être bien, mais ça commence. Et les autres sont un peu fatigués, nous aussi. Mais quand on est fatigué et qu'on est devant, ça motive plus que quand on est fatigué et qu'il faut aller chercher la première place. Effectivement, en France, on a beaucoup de filles qui roulent. On est en championnat de France une dizaine de filles. La FFM a mis beaucoup de choses en place pour que le niveau français et française évolue cette année. On le voit avec les garçons. Pour les filles, c'est pareil. C'est un train qui est en train de prendre la route. Et voilà, l'année dernière, donc il y avait Alice qui était avec nous, qui est blessée cette année, qui a été remplacée par Stéphanie Buisson, qui roule bien, qui est très motivée. Audrey, elle a l'expérience déjà de 6 jours précédents. Donc voilà, c'est une équipe qui fonctionne bien. Le dialogue est très important chez nous. Et voilà, on a aussi maintenant un manager, Pierre-Marie Castella, qui encadre juste les filles, donc qui s'occupe vraiment très bien de nous. On a effectué plusieurs stages depuis 2 mois, des stages d'entraînement dans le sable, des stages d'entraînement physique. Enfin voilà, on s'est vraiment bien préparé, on est arrivé sur les 6 jours sereines, on savait pas si on était les plus fortes, mais en tout cas on avait fait ce qu'il fallait, donc voilà, et aujourd'hui ça paye. Moi j'ai ouvert les portes il y a 10 ans et j'essaie de continuer pour que ça évolue encore. Il y a des projets pour le championnat du monde et voilà, mais en enduro il y a beaucoup de choses à faire et le fait de voir qu'on est aujourd'hui 15 filles à participer aux 6 jours, c'est vraiment prometteur pour l'avenir. Et alors en fait depuis 2 ans je suis en train de parler avec des gens de la FIM pour mettre en place un championnat du monde féminin. C'est quelque chose qui sera mis en place l'année prochaine, j'y crois, voilà, pour moi c'est vraiment mon bébé de fin de carrière et j'espère vraiment terminer là-dessus sur une bonne note avec beaucoup de filles et une grosse compétition et je sais qu'il y a des filles qui roulent mais qu'elles sont encore un peu cachées, j'aimerais bien les motiver pour venir. Donc c'était notre 3e journée, on est en tête depuis 3 jours. Voilà, l'équipe féminine c'est vraiment une bonne équipe, on est vraiment très motivés. Normalement Alice donc devait faire partie de notre équipe pour ces 6 jours, elle s'est grièvement blessée en Hongrie, donc on a une grosse pensée pour elle. On lui souhaite un bon rétablissement et on va tout faire pour que jusqu'à la fin des 6 jours, elle soit fière de nous. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous à demain pour la 4e journée. À bientôt. Ciao.